calculé qu'à Paris, il se gaspillait en heures de transport l'équivalent des heures travaillées par Nantes et Marseille ensemble. Certains jours, les Ardennais peuvent se rendre à Paris plus vite que les Parisiens n'en sortent. Dans une région longtemps solitaire, la volonté des habitants des Ardennes a fait surgir une industrie qui les relie au reste du monde. Les Ardennes sont en effet remarquablement placées pour desservir les grandes régions du marché commun. Sa capitale, Charleville-Mézières, n'est qu'à 2 heures de Bruxelles, de Trèves ou de la Hollande, 45 minutes de Reims et à 2h30 de Paris. La SICSEM, compagnie industrielle de gravure chimique et mécanique, constituée en décembre 1959, a pour objet la fabrication de pièces d'esthétique industrielle à partir de laminés et profilés d'aluminium, acier inoxydable, fer blanc ou cuivre. La SICSEM a entrepris, début 1960, la construction d'une usine à Levrézy, actuellement Bogny-sur-Meuse. La production a débuté en 1961. Les débuts furent difficiles, car la nature des activités nécessitait la mise en œuvre d'une gamme de décors très étendue, faisant appel à de nombreux métiers relevant des arts graphiques, de la mécanique et de la chimie. En 1962, la SICSEM a absorbé 2 sociétés parisiennes et décentralisé à Levrézy les activités de leurs ateliers. Parallèlement, elle signait un accord avec une firme américaine pour l'utilisation de procédés spéciaux et de matériel de mécanisation. C'est ainsi que la SICSEM peut actuellement réaliser pour l'automobile diverses pièces telles que la calandre, le tableau de bord, les bas de caisse, les phares, etc. Pour le matériel d'équipement, ménager, les tableaux de bord, les enjoliveurs de clayettes, les décors de thermostat et boutons, les effectifs de 1971 étaient de 574 personnes. La clientèle de la SICSEM comprend les plus grandes marques de l'automobile, de l'équipement ménager et de la radio-télévision. Dans les 5 prochaines années, on peut espérer que le chiffre d'affaires augmentera de 50% sur le marché intérieur et de 100% à l'étranger. Thank you.
Depuis longtemps, l'industrie du secteur ménager joue un rôle important dans l'économie ardennaise. Mais des problèmes de concurrence internationale modifient très nettement la structure de ce secteur. Trois grosses entreprises en ont assuré le renom. Arthur Martin, Piécelle et Deville. Implanté à Revin en 1882, le groupe Arthur Martin emploie en 1971 2650 personnes. Bien qu'étant historiquement les plus anciennes, ces usines sont techniquement les plus modernes. Elles sont spécialisées dans la production d'équipements ménagers. Elles fabriquent quotidiennement 530 machines à laver la linge, 400 cuisinières à gaz, à mazout ou à charbon. Et depuis peu, 130 lave-vaisselle. Dans cette entreprise, les services de contrôle ont un rôle fondamental. C'est ainsi, par exemple, qu'un laboratoire permet d'étudier le comportement de 150 machines à laver en fonctionnement et que 40% du temps est consacré sur la chaîne de montage au contrôle des divers éléments de ces machines. Tout ceci pour que l'image de marque Arthur Martin soit synonyme de qualité. La restructuration de l'industrie française des appareils ménagers a conduit le groupe Thomson Brandt à cesser la production de matériel de cuisine et de chauffage dans l'usine du Piécelle à Fumay. Mais le même groupe a décidé d'y implanter une nouvelle usine de production de fils de cuivre enrobés, antérieurement fabriquée à Reims. En 1971, la production de cuisinières se poursuit à un rythme de plus en plus lent, celle du fil de cuivre enrobé se développant progressivement. Cette reconversion permettra de maintenir 500 emplois à Fumay. Créée en 1846 à Charleville, l'entreprise Deville fabriquait des poêles à charbon. En 1955, a entraîné à partir de 1959 un développement considérable des productions de cette usine. En 1971, Deville est le premier fabricant français d'appareils ménagers à mazout. Il représente 20% du marché des poêles, 30% des cuisinières et 50% des chaudières de cuisine. Cette société diversifie ses activités en développant toutes les productions qui ont un rapport avec le chauffage domestique. Grâce à la collaboration de 600 salariés, elle fabrique uniformément pendant toute l'année des équipements ménagers dont 60% seront vendus en l'espace de 3 mois et qui représentent un chiffre d'affaires de 85 millions d'euros. La brasserie de Sedan a été fondée en 1921 par un groupe de brasseurs ardennais sinistrés, avec l'aide technique et financière de la brasserie de Vézelise. En 1971, la brasserie produit 160 000 hectolitres de bière, dont 40% sont expédiés en fût et 60% en bouteille. 70 000 litres d'eau gazeuse, avec un effectif d'employés de 214 personnes. Pour produire cette quantité importante de bière, il faut pouvoir stocker 300 tonnes de malt et de grains crus, avoir une capacité de fermentation égale à 35 000 hectolitres par mois. Il faut ensuite avoir une très grande chaîne de lavage et de mise en bouteille. La capacité de production par heure pour la bière et de 20 000 bouteilles de 25 centilitres et 14 000 bouteilles de 1 litre. Et pour les boissons gazeuses, 12 000 bouteilles de 1 litre.
Mais actuellement, le marché européen de la bière et des boissons gazeuses se transforme. Au niveau national et international, un certain nombre de regroupements se sont effectués. Il était normal que la grande brasserie ardennaise participât à ce mouvement. Et c'est ainsi qu'elle a, en 1969, fusionné avec un leader international de la bière, Stella Artois. Les accords qui liaient la grande brasserie ardennaise à Vézelise depuis 1921 se traduisent depuis 1971 par une fusion totale des deux brasseries sous le nom de Brasserie Lorraine. Le chiffre d'affaires de cette nouvelle société est de 35 millions de francs. Il représente une part importante du marché national. Biscuiterie Lu, Brun et Associés est une industrie alimentaire spécialisée dans la fabrication de biscuits aux œufs. En 1950, la première usine fut installée à Étion par M. Deschamps sur un terrain loué avec pour seul employé une jeune fille. En 1954, l'emplacement actuel fut acheté et une première ligne de fabrication créée. En 1957, une deuxième ligne de fabrication est mise en route et en 1959, la capacité de production de la ligne Châtonnet est multipliée par deux. En 1961, la fabrication Langue de Chat est créée à Étion. En 1962, la Barquette est lancée et connaît un développement très rapide qui atteint en 2 ans 1 million de boîtes de Barquette par mois. Une nouvelle ligne de production est actuellement en commande. Mais le marché de la biscuiterie évolue considérablement en Europe et exige des fusions. C'est ainsi que la société des Trois Chatons fusionne le 1er janvier 1969 avec un certain nombre de producteurs et s'intègre dans la société Lu, Brun et Associés. L'usine de Charleville emploie 300 salariés, dont 80% de femmes. Elle utilise comme matière première 3 tonnes d'œufs, 5 tonnes de confiture et 500 tonnes de fruits par an. Elle produit 2 millions de biscuits par jour. Les établissements Donnet, implantés à Signy-l'Abbaye, sont spécialisés dans la fabrication d'articles de sport. Il s'agit là d'une filiale de la société anonyme Donnet, installée à Couvain, en Belgique. La fabrication de ces skis est relativement artisanale, et il faut au moins 70 opérations pour faire une paire de skis qui exige une main-d'œuvre spécialisée
qu'il faut former pendant 2 ou 3 ans et dont la stabilité est évidemment recherchée. En 1971, l'usine emploie 130 salariés et fabrique 25 000 paires de skis. Une extension et une rationalisation devant permettre de produire très prochainement 40 000 paires de skis par an. Les chutes de bois sont utilisées principalement dans la fabrication de manches d'outils. L'usine consomme 20 à 30 mètres cubes de frêne par jour. Il faut ajouter à cette activité celle de cordage de raquettes de tennis qui emploie 26 personnes. Fabrique 6 à 7 000 tables de ping-pong par an et la capacité devrait prochainement être portée à 10 000 tables. Fondée en 1880 à Mouzon par M. Alfred Sommer, la manufacture de feutres a diversifié son activité après la Seconde Guerre mondiale. En cherchant à enduire le feutre de matière plastique, on crée en 1952 le Tapiflex. En 1959, fut lancé le premier tapis entièrement synthétique, le Tapissum. Après la création d'une seconde unité de production à Sedan en 1960, la société Sommer produit un revêtement de mur synthétique, le Sommeville. Actuellement, l'usine de Mouzon emploie 1000 salariés sur 31 000 m2 couverts et l'usine de Sedan 1050 salariés sur 90 000 m2 couverts. La production annuelle représente 2400 wagons et 3400 camions qui partent en France vers 11 directions régionales et 12 dépôts, qui représentent 15 000 points de vente. L'étranger représente environ 40% du chiffre d'affaires. C'est ainsi que la société Sommer a créé des filiales en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas et en Norvège. Pour contrôler les produits sortis des usines et créer de nouveaux produits, la société Sommer dispose de laboratoires spécialisés. Le développement de la société Sommer est important et se manifeste par la croissance du chiffre d'affaires qui est passé de 240 millions de francs en 1966 à 340 millions de francs en 1970. En 1929, M. Paulin Richier, ingénieur, créait à Charleville une petite usine de fabrication de bétonnières. Ces bétonnières font toujours partie de la gamme Richier, mais ne constituent plus aujourd'hui qu'une fraction de la production Richier. Et l'usine fait partie d'un grand groupe qui compte dans les Ardennes plusieurs usines à Charleville, Mézières et Sedan. L'ensemble représente environ 1200 salariés. En 1971, ces usines fabriquent toute la gamme du matériel de travaux publics, génie civil et bâtiments, environ 200 types différents. La société dispose d'agents dans 106 pays, aux USA, en Algérie et en Espagne, et a conclu des accords commerciaux avec des fabricants étrangers de matériel complémentaires aux siens. Elle fabrique des rouleaux statiques ou rouleaux compresseurs de 7 à 19 tonnes.
des rouleaux compacteurs à pneus de 7 à 35 tonnes, des rouleaux vibrants de 500 kg à 5 tonnes, des pelles hydrauliques qui sont fabriquées dans un atelier de mécanique très moderne et qui utilisent des machines à commande numérique pour la fabrication d'essieux et de boîtes de vitesse, des pelles mécaniques, des chargeuses, des niveleuses, des grues à tours, des malaxeurs, des centrales à béton, des bétonnières agitateurs portés. Martin Guillemin, situé à Rethel, est spécialisé dans la fabrication d'emballages de carton. L'industrie du carton est en pleine expansion. Elle était en concurrence, dans le temps, avec le bois et le plastique. Mais depuis ces dernières années, il semble que ces différents matériaux s'allient parfaitement. Autrefois, cette industrie a employé beaucoup de main-d'œuvre. Depuis, elle s'est modernisée et actuellement, l'usine emploie 270 personnes dans ses locaux et 320 personnes en comptant les services commerciaux et de transport. La majorité de la main-d'œuvre est d'origine locale. 85% habitent dans un rayon de moins de 3 km. Un bureau d'études de 6 personnes conçoit les emballages des clients. Il faut noter qu'actuellement, plus de 80% des caisses en carton sont imprimées à l'usine même. Cette usine fabriquait il y a 2 ans 20 000 tonnes de carton par an. Elle passera à 40 000 tonnes, soit 150 tonnes par jour, ce qui correspond à une surface développée de carton de 30 hectares. La manutention a été automatisée. Grâce à l'emploi de transport sur rouleau, dont la longueur dépasse 5 km. À l'expédition, le carton ondulé occupant un volume assez considérable, il est nécessaire d'utiliser 20 camions par jour. Les arrivages se font par péniche, route ou fer. C'est aussi à Rethel que se sont installées, il y a quelques années, les bennes Brimont, qui ont connu un essor rapide et une large diffusion. Le centre ardennais de productivité, dont la mission est d'aider les entreprises à améliorer leur productivité, constatant d'une part que l'informatique est une structure actuellement nécessaire à la gestion, et que d'autre part, il n'existait dans le département aucun centre de traitement de l'information à façon, a décidé, avec l'appui des pouvoirs publics et la collaboration de certaines entreprises, de créer une division Ardennes Informatique. Cette division doit permettre aux entreprises d'avoir une gestion de plus en plus automatisée. Pour atteindre ce but, une équipe de programmation a été mise sur pied, ainsi qu'une équipe de perforation, et pour traiter les problèmes, un ordinateur à haute performance a été loué. Actuellement, l'ensemble du personnel d'Ardennes Informatique
représente un effectif de 17 personnes hautement spécialisées. Un nombre croissant d'entreprises utilisent les services d'Ardenne Informatique pour des travaux de facturation, de paie, d'établissement de statistiques diverses, etc. Assurer l'avenir de ces industries et permettre aux Ardennes d'avoir leur juste part de la prospérité européenne, il faut aussi que la préparation au travail et ses conditions soient bonnes. L'enseignement général est spécialisé et donné dans des établissements comme le lycée technique Bazin à Charleville-Mézières, les collèges d'enseignement technique de Charleville-Mézières, Revin et Sedan, et les centres de formation professionnelle pour adultes de Montcy-Notre-Dame et Assy-Romance. Les élèves qui souhaitent vivre dans les Ardennes peuvent s'initier à un métier qui répond aux besoins locaux. Un bel avenir pour les Ardennes, dont la situation au cœur de l'Europe, les sites naturels, le passé industriel sont des atouts incontestables. Il suffit pour cela que tous les Ardennais leur apportent comme autrefois leur travail, leur intelligence, leur ténacité. L'industrie ardennaise va de l'avant. Elle cherche des jeunes compétents et enthousiastes.